chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Happy New Year once more. It's another beautiful year, and we're on to the first edition of the year 2023. Hope you've been having a good time so far in January. We are here for another explosive edition, and we are starting in a very prolific way, just like we used to do. Huh? We're not changing anything, but today we'll be speaking more in French. And in English, of course. I have an amazing guest here. She's going to blow your mind. But before we get to introduce to you our amiable guest for today, permit us to have our verse just like we usually do. And of course, we're going to dance to new songs from amazing artists, which I will bring to you this afternoon. And after that, I will show you my guest for today. Let's have a jingle break. We'll come back. We'll take our verse for today. All I require for life, God has given me, and I know who I am. All right, today we're going to read from the book of Corinthians. We're going to have 1 Corinthians chapter 13, verse 4. 1 Corinthians 13, verse 4. Producer, can we have it on the screen? We're going to have 1 Corinthians 13, verse 4. It talks about love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. And I brought this verse to you because we are gradually getting into the month of February, the month of love, like they say. And for those out there who uphold this value of showing love to one another, know that love knows no malice, like other translations have it. And love is kind, love is patient, love is beautiful. So do well to love one another in this new year. On parle de l'amour, l'amour est belle, l'amour est quelque chose que il faut qu'on partage chaque jour entre famille, entre amis. C'est tellement, tellement important. We're going to have our clip in. It is this beautiful song. It's a young Cameroonian from the Northwest region. It is titled Bolo. Let's go. Take my hands and take me through. I made up my mind to follow you.
take my hands and take me through. No turning back, no turning back. I away, no turning back, no turning back. I away, I make me a junkie, Holy Spirit junkies. One life to live, let me live for you. I make me a junkie. Okay, hope you enjoyed that song. He says God is in the business of working it out in his life. C'est un boulot dans ma vie. Il est en train de faire un grand boulot dans ma vie. And that's what he set to do in our life this year. An amazing job to refurbish, to reshape, and to bring us to that place unexpected in. I told you a while ago that I have a surprise for you, and it's a whole discovery for me, and I'm so excited to bring her to you this afternoon. Ladies and gentlemen, I really don't know how to start presenting her to all of you, because she's amazing, she's beautiful, she's humble, very soft-spoken, even as her boy, her voice depicts, and she's done amazingly in the Cameroon industry. And today we are discovering her as not only an amazing singer, but an amazing singer for Christ. Ladies and gentlemen, without much ado, let's make welcome our very, very sensational artist in the house, Grace Deka. I thought you would clap to that. Oh, you're welcome to Pray Zone. Thank you very much. Oh, vous êtes tellement belle. Très, très belle. Thank you, merci Quand beaucoup. Vous voyez, on voit l'image de Dieu. Puisque la Bible dit qu'il nous a créé dans son image. C'est ça, exactement. Et l'image de Dieu est belle. Très belle. Très, très belle. Merci. Et il y a beaucoup de gens dehors là qui ne savent pas que vous êtes chrétien. Wow. Aujourd'hui, on va faire la découverte. Grace Deka est une chrétienne et elle a fait des morceaux gospel. Avant qu'on commence cette débat, c'est pas un débat en fait, on va faire un petit chit-chat entre moi et toi et notre audience. On va faire voir l'album Mouna. D'accord. Oui, puisque c'est cet album qui vous fait votre découverte gospel en 2014. Ouais. Avant qu'on prenne n'importe quoi ici, on va prendre ce morceau Mouna. Pour dire ça, let's have it. Mouna, mouli dans ma
that was Mona. Qu'est-ce que veut dire Mona en la langue douala? Mona veut dire le fardeau. Ok. Mona veut dire la croix. Mm-hmm. Mona veut dire les charges. Mona peut également dire des difficultés. Burden. Mm-hmm. When you carry your cross, mm-hmm. you carry the burden. Mm-hmm. So you go to the Lord and ask Him to take it. Mm-hmm. Because you know you can carry that because it's too heavy for you. Mm-hmm. It's very deep for you to have that burden in your back. Il est très important mm-hmm. pour nous de savoir que nous avons un Père. Mm-hmm. Nous venons de quelque part. Et chaque fois qu'on est en difficulté, on se rapproche de Dieu. Et on lui parle, et on lui montre, on lui explique, on lui dit ce qu'on a dans le cœur, nos souffrances, ce qu'il nous faut, même nos erreurs, nos péchés, et il nous pardonne toujours. Il prend toujours notre parti parce qu'il nous aime. Mm-hmm. Parce que Dieu nous aime tellement que la parole nous dit qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Chaque fois que je parle de Jésus, je pense à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, à ceux qui ne rentrent pas dans les profondeurs et qui disent « les blancs nous ont amené un Dieu ». Moi, je vous dis aussi que Dieu, plus j'ai fait des recherches, je suis arrivée à comprendre que Jésus est noir, is black, he was a black. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que tu vois que notre continent est béni, quel que soit ce qu'on pense de l'Afrique. C'est en Afrique qu'on retrouve tout, même le Fils de Dieu, même le Dieu vivant qui s'est incarné dans Jésus par son onction est venu en Afrique mm-hmm. et il est de l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que les Africains aiment Dieu et prient. Ceux qui ne sont pas dans la croyance pensent que oui, vous donnez des conseils aux gens de prier, vous parlez de Dieu matin, midi et soir. Qui vous a dit que parler de Dieu veut dire ne pas travailler. Dieu lui-même est un bosseur. Mm-hmm. Parce qu'il a travaillé sans arrêt. Pendant 6 jours, il a accordé un jour de repos. À nous et à lui. Ce qui veut dire que si tu es dans la parole de Dieu, de manière forte, mm-hmm. et que tu travailles, même la croix que tu portes dont je chante sur Mona, mm-hmm. tu sauras où la poser, qui, à qui remettre cette croix. Et comment marcher selon la parole pour que cette croix ne soit pas pénible. Même Jésus a eu besoin d'être aidé pour porter sa croix. Jusqu'à 2001, on vous a connu au Cameroun et dans le monde en tant qu'un artiste de siècle. Alors, après votre pause musicale, vous revenez en 2014 avec un album gospel. Et il y a eu plusieurs gens qui ont demandé, est-ce que Grace Deka est devenue l'artiste gospel? Grace Deka a toujours été l'artiste gospel, okay. mais qui n'était pas révélé à son public. Mon public ne me connaissait pas comme artiste de gospel. Qu'est-ce que cela veut dire faire du gospel? C'est juste évangéliser, c'est parler du Seigneur, c'est faire connaître le nom de Dieu. C'est faire que là où tu pars, là où tu vas, là où tu te trouves, tu parles de Dieu. Tu donnes ton expérience avec Dieu. Tu rends ton témoignage qui peut susciter l'envie chez l'autre qui le connaît moins de venir vers toi et aller vers le même Dieu pour continuer à lui donner des gloires, des louanges et des adorations. J'ai décidé de faire un album parce que c'est ma connaissance de la parole. Et mon chant que je faisais auprès du Seigneur s'arrêtait au niveau de l'église. Il fallait matérialiser ce don par le biais de l'album. Parce que dire à Dieu que je l'aime et je suis consciente que celui qui m'a donné la voix, je n'ai pas la plus belle voix, je n'ai pas le souffle plus que d'autres, mais je sais que j'aime sa présence. Je voulais donc lui dire merci. Pour ce qu'il a fait de moi, pour ce qu'il a fait pour moi, ce qui m'a donné d'abord la vie pour venir sur terre, naître dans la famille qui est la mienne, naître dans le pays qui est le mien, d'avoir des amis que j'ai, la famille, les amis, le pays, vous rencontrez vous,
et toutes les autres personnes que je rencontre sur mon chemin, je dis merci Seigneur. Qu'ai-je fait pour mériter cet amour, ce bonheur, cette tendresse, toute cette affection que les uns et les autres peuvent me donner est au-dessus de la jalousie que les autres peuvent m'envoyer. C'est ça aimer Dieu, c'est ça connaître Dieu, savoir marcher sur ses pas, savoir orienter sa vie pour que lui prenne le contrôle. Je ne sais pas comment on peut vivre sans aimer Dieu. Je ne sais pas comment on peut avoir la voix, chanter et ne pas savoir chanter pour Dieu. Il était important de faire cet album pour le Seigneur. Oh, c'est très, très intéressant. Vous écoutez parler de Dieu comme ça? Ça, it's really, really interesting. Ça m'excite beaucoup. Et j'ai cette question, en fait. Quand tu as fait ces révélations du côté gospel, de ton côté gospel, comment est-ce que ton audience et tes collègues ont reçu, en fait? Puisque ça fait des années qu'on sait que la grâce des cas est dans le domaine séculaire, qui chante de l'amour, qui chante de l'unité, qui chante d'être en famille, et aujourd'hui, elle chante de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont reçu, en fait? Est-ce que vous avez eu des challenges, en fait? D'abord, il y a eu l'effet de la surprise par rapport à ceux qui ne me connaissent pas comme enfant de Dieu, okay, ou pour ceux qui n'ont pas, qui ne comprennent pas ma langue. Pas tous, que tous ceux qui comprennent ma langue peuvent rendre ce témoignage de la manière la plus facile et aisée d'ailleurs. Je chante l'amour. Qui est le patron de l'amour? C'est Dieu. Et je parle d'un sentiment inhibé quant au but, comme disent les psychologues et les psychanalystes. C'est-à-dire que l'amour que je chante est un amour en dessus de la ceinture. L'amour que je chante est un amour entre parents, entre frères et sœurs. Mm-hmm. Ça n'exclut pas entre mari et femme. Mais je chante de l'amour en général, de la profondeur de l'amour, du cœur, l'organe cœur, où se trouvent les bons sentiments et les mauvais. Et dans ce cœur-là, j'ai réussi à comprendre qu'il est important de ressentir l'amour. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais ressenti de l'amour? Oui. Parce que l'amour, c'est une question de feeling, de sensation, de ressentiment. C'est un mouvement circulaire dans ton corps qui régit la tête, le cœur et le corps. L'esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, partout où tu lis l'amour, tu penses que ça veut dire et une relation physique. Quand je parle de l'amour dans le jargon spirituel, je reste là où il faut. L'amour du prochain, comment aider celui qui est dans la détresse, comment te mettre à la place de l'autre, comment souffrir pour l'autre, comment souffrir avec l'autre, comment le prendre dans tes bras quand il est en souffrance, comment peux-tu lui apporter de l'amour quand il est dans la détresse et que son cœur est fermé à ce sentiment. Il faut que tu trouves des mots qu'il faut, il faut que tu aies le geste approprié, il faut que tu aies l'attirance nécessaire et l'onction pour atteindre son cœur. Parce que parfois des blessures humaines font qu'on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu parce qu'on a tellement vu des choses tellement difficiles et on n'est pas spirituellement préparé. On n'est pas élevé pour comprendre et entendre raison. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'être aidé par quelqu'un qui a connu des blessures très profondes, mais qui a pu les surmonter, les surpasser, qui a pu s'élever et a rencontré le domaine qu'il faut. Et a rencontré l'être plein d'onction qui donne l'amour et a touché ce mouvement circulaire, ce sentiment, cette affection. Tu vois, c'est important d'aimer. C'est important de rencontrer l'amour. Surtout, c'est important de connaître l'amour de Dieu.
c'est très, très important de connaître l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu rafraîchit. Et ça. Oui, ça donne la vie. Ça donne l'espoir. Yes. Ça donne cette raison de vivre. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, nous vous encourageons de connaître cet amour. Et connaître cet amour, c'est devenir proche de Dieu, comme vous avez dit, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Venez très, très proche de Dieu. Alors, vous avez des problèmes, vous avez un fardeau. Ce n'est pas à courir chez les parents, pas à courir chez les marabouts. Ah oui! Mmh. Pas à courir chez les marabouts. Mmh. Et il y a Dieu. Il y a Dieu qui est là. Vous pouvez courir vers lui. Il y a notre papa. Exactement. Il est notre frère. Et nous comprendre. Et il va nous donner les solutions. Puisque maintenant, vous faites... la musique gospel. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes complètement gospel maintenant? Je suis totalement gospel. Je suis complètement gospel. Totalement. Mais la question serait, est-ce que tu fais encore des chansons? Ah oui. Des louanges? Des louanges. Est-ce que tu as quitté des louanges spirituelles uniquement? Mm-hmm. Tu ne fais ce que ça uniquement? Je pense qu'il faut faire le mot comme ça, parce que le domaine de prédilection que Dieu m'a donné, c'est on ne connaît pas le Makosa. Et je crois que par cette grâce, il y en a pas mal qui sont venus vers Dieu. Okay. C'est par là-bas que je les pêche, mes âmes. C'est par là-bas que je les ramène. Mes spectacles sont truffés, sont remplis de gospel. Wow. Mes spectacles sont chargés de gospel et de messages et de chants. Donc, je ne peux pas faire un spectacle sans y mettre des gospels au début, au milieu, partout je mets des gospels. Mon spectacle est équilibré. J'ai besoin de ça. C'est vital. Ça me booste. Ça m'enlève l'angoisse. Pour que je me présente sur une scène, je ne sais pas qui est passé. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais même pas comment prendre le micro. C'est l'onction de Dieu qui m'amène vers le micro et qui me fait faire le spectacle. Donc, que je fasse un Makosa, qui pour moi, mes compositions sont des compositions d'amour. Mm-hmm. Si on écoute par exemple mon nouvel album qui est Challenge, mm-hmm. Dans le Challenge, je parle toujours de Dieu. Il y a 33 versets qui te parlent d'hypocrisie dans la Bible. Mm-hmm. 33 versets. Qu'est-ce que la Bible pense de l'hypocrisie, de la perfidie, de la fourberie? Qu'est-ce que la Bible pense? Qu'est-ce que Jésus pense de ça? Si on regarde, on rentre dans la Bible, on va se rendre compte que mais mon Dieu, cette parole n'est pas de moi. Quand Jésus te dit, ne regarde pas la poutre qui est dans mon œil, regarde d'abord ce qui est dans ton œil. Quand il dit, il m'appelle des lèvres. Il m'appelle papa des lèvres, mm-hmm. Mais dans le cœur, il ne pense pas comme ça. C'est l'hypocrisie. C'est un péché. C'est un péché. Donc, je vais chanter un Makosa, mais avec le message divin. Que laisse la fourberie, laisse l'hypocrisie. Tu vois, quand tu le lises dans Luc, dans Matthieu, dans Galates, il y a 33 passages qui te parlent de cette expression. Ce qui veut dire que si je te demande de laisser l'hypocrisie, parce que tu ne m'aimeras pas vraiment, c'est une façon de te dire, apprends à m'aimer avec un corps vrai, avec un cœur simple, avec un cœur pur. Apprenons-nous à nous aimer. Parce que les gens qui n'ont pas l'amour dans le cœur vont relever chez toi tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est négatif, tous tes péchés, tous tes manquements, tout ce que tu fais, c'est ça qu'on va mettre en relief. Mais toutes les bonnes choses que tu fais pour la gloire de l'Éternel, on va les taire. Et chaque fois que tu rentres contre quelqu'un qui est dans une mouvance pareille, appelle le Saint-Esprit pour qu'il soit au milieu de vous. C'est pour ça que je dis que mais le challenge qui vient, qui est le refrain répété, qui veut dire quoi? Qui veut dire que mais l'enfant de Dieu mm-hmm. ne peut pas vivre sans les challenges. C'est que tu ne sais pas où tu es. Tu es dans ce monde, les challenges sont pour toi des ingrédients,
des éléments qui doivent booster ton énergie spirituellement. Parce que toi, ton challenge que Dieu te demande, c'est d'aimer. Il te dit, il faut aimer tes ennemis. C'est ça, non? C'est ça. Dieu te demande d'aimer les ennemis, d'aimer tout le monde. Il dit que si tu ne les aimes pas, c'est que tu fais comme des païens. Si tu ne les apprécies pas, c'est que tu fais comme des païens. Il faut les aimer, il faut prier, il faut les bénir. Et laisse-moi ta colère. Donc, dans ma chanson, quand je dis... quel que soit ce que je te donne, tu ne m'aimeras pas. Même si je te donne du charme, tu ne m'aimeras pas. Parce que ton cœur est truffé d'hypocrisie. Laisse ce sentiment. Laisse ce sentiment. Mon challenge à moi, c'est de t'aimer. Et je t'aimerai jusqu'au dernier jour de ma vie. Et toi, je pense que si je t'aime, tu apprendras à m'aimer. C'est vrai. Wow. It's so enriching that which we are having here on this edition. And for those of you who did not know that Grace Dika is a Christian, at least now you know, you've heard her profess it and you've heard her live it. And we're just understanding that that's a part of her that has lived in her for a very long time, and some of us did not know, and I brought her here so that you confirm it for yourself. We're going to have gospel actualities. When we come back, we're going to talk about her challenges and her appreciation of the gospel or music sector. Can I put it that way? Okay, producer, let's have a break. And we're back with our gospel actualities. We start with this one, the Biosphère de Louange Janvier. It's taking place here in Douala. Entrée gratuite le 29 janvier à 16h. On va avoir Biosphère de Louange ici à Dedo, Keferi, Grand Moulin. Entrée gratuite. You look at the flyers and you get information
of how you can get to Daido. Just in case you don't know where Daido is here in Douala, not far from roundabout Rome Point. So please try and call and be part of this program. We're going to have the Wonders of Worship. Wonders of Worship is going to take place here in Boya at the Catholic Hall. That's in Shalwanga Hall on the 26th of February, 5 p.m. So if you are in Boya, do well to turn out on the 26th of February and be a part of Wonders of Worship. It starts at 10 p.m. I think it's going to be a vigil, so have it in your plans to be there. We're going to have the Chrysalide de l'Espérance qui transforme, and it's a gospel concert. Entrée, c'est gratuit, 100% live, and it's going to be au Stade Militaire Yaoundé, 15h, avec la participation de Bison Nivas. We're going to also have choirs from Cameroon that are going to be part of this amazing event. So if you're in Yaoundé, do well to contact the numbers on the flyer and be part of this event, gospel concert on the 28th of January. It's free. It's free. It's going to be a Stade de Militaire de Yaoundé. So do well to be a partaker of this move. We're going to have Fadiès Festival, that's Festival de Talent. Information about that particular event will be coming your way very soon, but in the meantime you can contact the numbers on the flyer and know how you can participate in this wonderful festival. We have a grand soirée de haute louange en faveur du Cameroun. It's taking place on the 28th of January, and it's the 245th edition. It's going to be a live praise and worship tour on Facebook. And for those who will not be able to connect on Facebook, or those who are here in Douala, you rather come over to Chapiteau, rue Douala Bercy. It's here in Douala, face Bank Atlantique Aqua, derrière drugstore. Mais il y a le contact sur le flyer, donc vous pouvez contacter le numéro sur votre flyer. L'entrée est gratuite. We're going to have talk about releases already. We have Carry Me The Go. Carry Me The Go, it's dropping today actually, and it is by Gashu Mia. Anticipated on all app stores. We have Play Music, Amazon Music, Audio, Mac, Tidal, Spotify, iTunes, Deezer, Boomplay, wherever, YouTube, wherever you know music. It's a gospel music, of course, can be made available. You can check it there, and you're going to have this amazing piece. Mind you, it's the video. We've had the audio that's been going on for a very long time. So he's dropping the video on the 15th of January. We are going to sign out with this piece that's coming very soon. It's called Temple, Un Son Temple. That's by Magie Eyene. We have not been given the date for the release yet. We have not been given the time, but you can anticipate this amazing release. And just like we have always agreed, put your 100 francs, get your 100 MB, follow them on your YouTube pages, Facebook pages. Do well to download their songs and listen together with your village people. Call your neighbors and call everybody that you know, so you get to spread the Cameroon gospel music. And talking about Cameroon gospel music, we're going to come back here in the studio and we'll get to have our guest tell us her appreciation of the Cameroon gospel sector. Let's take a jingle break. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Okay, we're back in the studio, and our guest for today is our very own Mama. And she's been doing so amazingly in raising the flag of Cameroon in different areas across the globe. And here she is in with us here in the studio, and she will be telling us her appreciation. Comment est-ce que vous appréciez le secteur gospel en ce qui concerne
la musique, on appelle ça quoi, le divertissement. Je trouve que c'est sympa. Ok. C'est sympa et tout ce que je souhaite, c'est que c'est un secteur qui ne reçoit pas souvent et facilement des aides pour faire des chansons selon... Parfois, ils veulent faire plus. Ils ne peuvent pas parce que pour enregistrer dans de très bonnes conditions, ce n'est pas facile. Et il y a des pays où on voit des artistes de gospel évoluer tellement. On apprécie des prestations. Et là, je t'assure que quand tu es dans l'adoration, tu as le plaisir de faire ces adorations. Pourquoi? Parce que la scène est bien, les musiques sont bien enregistrées, les textes touchent certainement le cœur du Seigneur, tellement c'est bien fait. Nous avons ici un problème qu'on rencontre en général dans le milieu artistique, plus encore dans le milieu gospel. En regardant de loin, c'est ce que je peux dire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le contenu, pour que ça soit dans un cadre des chansons ou des actes qui peuvent être vendus au travers d'autres secteurs? L'industrie musicale chez nous est assez... est dilué dans tous les autres problèmes qu'on peut rencontrer. C'est comme si, oh, c'est pas important, oh, c'est la mineure, oh, c'est pas nécessaire. On se sent uniquement la nécessité quand il y a les deuils, où les gens cherchent des artistes gospel pour venir jouer. Ou alors quand on a des baptêmes, ou à la fin de l'année, les gens qui ne viennent jamais à l'église, tu rentres le 24, le 25 pour Noël, c'est plein, le 31 au 1er, mais il n'y a même pas d'espace pour s'asseoir. Le seul jour, 365 jours, c'est le seul jour que tu dis « waouh ». Donc Dieu a autant d'enfants, donc vous êtes souvent dans les quartiers, là, vous ne sortez pas pour venir à l'église. Alors que si tout le monde se mettait ensemble pour donner de l'espace à cette musique, donner de l'espace à cette évangélisation, donner de l'espace, ce serait un travail plus sympa à lire, à comprendre et à voir. Tu vas me dire comment faisaient les autres. Ils allaient de ville en ville, de nation en nation, pour rendre témoignage, pour parler de Dieu. C'est un seul conseil ne peut pas suffire. Ça demande, à mon avis, beaucoup de prières, mais beaucoup d'expertise. Énormément d'expertise pour arriver. Regarde au Nigeria, par exemple. Il y avait une conférence avec... j'étais au Nigeria pour la conférence avec le pasteur Chris Oyakhilome. J'étais là, je regardais, je me posais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions parce que je disais, comment ils font pour avoir autant de monde dans les crusades, dans les croisades? Comment ils font pour avoir autant de monde? Ça veut dire que dans mon pays, nous, on ne croit pas en Dieu. Ça veut dire que j'ai commencé à me poser des questions un peu bizarres comme ça. Et je regardais aussi à l'époque du Tibi Joshua, le lit Tibi Joshua, comment ça se passait. Je vois, mais là ce jour, j'étais sur place au Nigeria et j'ai vu comment ça se passait. On te parle d'argent. Tu vois tellement... l'argent qui rend, des églises qui ramènent de l'argent. Ça veut dire que la croyance de ces gens est tellement importante et forte. Bon, maintenant, regarde la vitesse avec laquelle notre frère John Shi, quand il est rentré du Nigeria pour revenir au Cameroun, la vitesse avec laquelle il a travaillé, il a bâti son église à Bouya où j'ai été. Elle est belle, elle est jolie. Et il travaille. Un jour, je suis allée, il me dit, let me show you my knees. Il m'a montré ses genoux comme ça là. Comment c'est, tu sens quelqu'un qui est au sol tout le temps pour prier. Parce que nous, on ne regarde pas tout, on ne voit pas tout. On est trop dans la critique. Mais gens qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas, critiquent énormément.
Et ça fait que finalement, ceux qui peuvent venir pour remplir les églises ne viennent pas. Ceux qui n'y vont pas parlent tellement mal des églises que les autres ont peur d'y aller. Alors il faut aller où alors? Dans les bars? Dans les boîtes de nuit? Il faut aller où exactement? Et ces enfants iraient se droguer partout, même si c'est comment? On se rend compte que le temps que ces enfants auraient eu à passer dans la présence de Dieu, du Seigneur, dans des églises, il n'y a pas de synagogue ici, dans les églises, au moins aurait empêché qu'ils se droguent, aurait empêché qu'ils fassent des conneries, aurait empêché qu'ils soient en train de faire des bêtises. C'est vrai, rien n'est parfait. Même dans la parole de Dieu, il y a plein de problèmes. Mais s'il y a un choix à faire, il vaut mieux aller dans cette maison que dans d'autres. Parlons de musique gospel. Je vous ai demandé cette question parce que les chanteurs et les artistes gospel, il se trouve que leur contenu sont résistés. Ils trouvent trop de résistance à intégrer leur contenu dans le secteur de divertissement, dans l'acte et ici au Cameroun. Alors, des fois, on se demande, mais quel est ce problème qui empêche que les contenus gospel, les chansons gospel, ont cette buzz que les chansons qui ne sont pas gospel ont déjà. Par exemple, ils disent que si peut-être Malox fait son show, il fait un relais, ça va prendre beaucoup, tout le monde va aimer et ça va faire du buzz. Mais du côté gospel, on n'a pas cette buzz. Parce qu'il faut travailler ça. Si Malox fait, il y a le buzz, c'est qu'il a travaillé. Malox, c'est beaucoup de communication. Okay. Malox travaille son travail. Ses tests sont travaillés. C'est qu'il fait. Quand il dit ça sort comme ça sort, tout ce que tu vois là est dans un langage primaire qu'on utilise entre nous au Cameroun. Okay. Mais c'est rempli de messages forts. C'est rempli de sagesse. Quand tu écoutes Malox chanter, et beaucoup d'enfants. Beaucoup de personnes vont s'identifier à cette musique, vivant les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. C'est pour ça que ça va marcher. Et en dehors de ça, il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des télévisions, des radios. C'est même l'une des raisons qui m'a poussée aussi à faire cet album de Dieu, parce qu'il faut enregistrer des albums dans de meilleures conditions. Pour que ça puisse passer, il y a une grosse concurrence. Sinon, on ne peut pas dire que la parole de Dieu n'est pas connue, n'est pas exprimée dans notre pays et que les gens ne la connaissent pas. Comment ça se passe au Nigeria? Comment les artistes nigériens arrivent à passer? Comment ils font? Il n'y a pas... Comment les artistes américains arrivent à faire? C'est parce que tu es déterminé par ce que tu fais. Tu fais un travail exceptionnel, tu travailles tes voix, tu travailles tes chants, tes adorations, tes louanges, tu glorifies l'Éternel et tu te mets à la place qu'il faut. Tu arrêtes de critiquer et vas-y. Là, c'est les gens du monde, là, c'est les gens de ceci. Là, nous sommes vivants tous dans ce monde-là, avec nos difficultés, avec tout ce qui nous manque, avec nos déboires, nous faisons des efforts. Pour rencontrer Dieu, il y en a qui l'ont rencontré, d'autres qui sont encore en train de... qui sont en chemin pour le rencontrer, d'autres qui sont encore à la maison, qui ne savent pas où le trouver. Mais quand tu rentres au plus profond de toi-même et que tu démarres dans une belle mélodie d'adoration, le Seigneur va te dire, oui, j'aime ça. Il va mettre des gens autour de toi. Pour que cela se passe. Je ne vais pas nommer le nom d'une personne qui m'avait appelé parce qu'elle me voulait que je l'aide pour son clip. Je l'ai fait. C'était une chanteuse de gospel. Mm-hmm. C'est même les chansons les plus faciles à enregistrer parce qu'en général, ce n'est pas rempli d'instruments. Un piano, une voix, c'est parti. Un piano, une guitare, c'est parti. Il faut simplement que les messages soient les messages divins. Les messages divins et les messages bibliques. Moi, j'ai plein de chansons que j'ai faites pour le Seigneur qui ne sont même pas encore sorties. Je crois qu'il faut faire un travail important sur les voix, sur les textes, sur les mélodies, et ensuite sur le packaging. Mm-hmm. Quand on voit
l'album, qu'on soit attiré, qu'on regarde. Dieu est un Dieu de bonté, de beauté et de fraîcheur. Alors si tu présentes une galette qui est difficile à consommer, c'est-à-dire que la photo n'est pas terrible, le designer n'a pas fait le bon travail, ça ne donne pas envie. C'est comme je dis souvent aux gens, pourquoi les églises de réveil ont pris plus d'espace? Parce que les pasteurs des églises de réveil ont regardé tout ce qu'il y a comme défaut dans nos églises, dans nos églises. On a dit, voilà, mettons-nous sur nos 31 quand on va à l'église. Parce que tel que nous sommes, nous allons attirer ou alors nous allons repousser des gens. Mm-hmm. Et quand ils arrivent là, les pentecôtistes démarrent. C'est-à-dire que c'est la course de je vais y arriver, la course de la certitude. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut impulser dans le milieu gospel en général et dans l'autre aussi, mm-hmm. pour faire qu'il y ait un mélange. Parce que moi, je ne vais pas séparer les enfants de Dieu entre ceux qui sont dans le milieu gospel, mm-hmm. et ceux qui sont en train de, ceux qui font le makosa. Je dis simplement d'avoir une moralité qui montre qu'on est un enfant de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi, on ne s'habille pas n'importe comment, et faire ce qu'il faut pour atteindre Dieu. Dieu regarde, lit nos cœurs. Quand on parle d'habillement même, c'est plus pour ne pas gêner celui qui est à côté de toi. Hein? Parce que si tu vas dans la maison de Dieu, tu es nu, c'est ton problème. En réalité, c'est pour ne pas gêner celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas ton Dieu que tu vas gêner parce que tu es nu, tu es arrivé nu et tu repartiras nu. C'est ça. Voilà. Donc quand c'est pour que tu ne sois pas la pierre d'achoppement, quand tu rentres dans une église, que tu t'habilles sexy, très un genre comme si c'est grâce des gars qui allaient à un spectacle. Et c'est, ça fait un genre, le pasteur va te regarder, mm-hmm. tout va te regarder. Du coup, ça fait qu'au lieu d'écouter la parole, ils vont écouter les respirations de ton être, les déhanchements que mm-hmm. tu fais, ça va être le regard. Il faut s'accrocher. Faire un bon travail. J'ai rencontré le prince de Jésus l'autre jour. J'étais très contente de le voir. On a fait un travail. Il me disait, mais je n'avais pas su que tu m'avais appelé quand tu as fait le grâce pour Ezeka. Je lui dis, oui, je t'avais appelé. Je te montre même ton nom qui était sur ma fiche. Tu n'étais pas présent. Donc tu vois, alors qu'eux ne me connaissaient pas encore comme chanteuse de gospel. Mm-hmm. Quand je fais mon événement, j'avais besoin que des hommes de Dieu. Pas que les hommes de Dieu, parce que tout le monde, après ce qui s'est passé à Ezeka, c'était tout le monde. Et les hommes de Dieu étaient dedans, certainement, les enfants de Dieu et les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une messe, j'ai organisé une messe écuménique pour tout le monde, pour ces âmes, pour ces personnes, pour ces disparus d'Ezeka, qui sont partis en laissant leur famille. Mm-hmm. On a pleuré. On a souffert de ça et j'ai demandé à Dieu de mettre une onction, les prières, les bénédictions, de l'amour, de l'affection, la réconciliation, le pardon pour que notre pays ne vive plus ce genre d'atrocité. Mm-hmm. C'est le travail des hommes de Dieu, c'est le travail des enfants de Dieu. Et travail de chanteur de gospel. Cameroun. Ezeka. Donc, si ça ne marche pas, posons-nous de bonnes questions. Et plus on a de l'amour pour le prochain, plus on doit apprendre à aider ceux qui sont dans le chemin, ceux qui veulent être aidés. Ça ne veut pas dire encourager la paresse ou la bêtise. Hein. C'est pas ce que je dis. Je veux simplement dire que aider à faire connaître Dieu dans notre maison, aider à faire connaître Dieu dans notre pays, je pense qu'on gagnera beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes ouvert pour les featuring, les collabos? Bah, bien sûr. Dans le domaine gospel. Dans tous les domaines. Okay. Dans tous les domaines. Mais tu sais que j'ai fait le gospel avec
J'ai fait même featuring avec Jonathan Butler. Mm-hmm. Bon, d'accord, il est aux États-Unis, tu me diras. Et ça a donné quelque chose de très fort. These are my people. Et on va jouer ça dans quelques instants. Et ici aussi, je suis bien ouverte. À l'église, j'en fais. Je ne chante pas seule à l'église. Je suis entourée. Et quand j'ai mes prestations, je chante. Quand je chante mes essais, ouais, les essais de Douala, mm-hmm. je chante avec mon public également. Ce qui veut dire que je suis ouverte à toute collaboration pour glorifier le nom de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je vous dis depuis là que moi, je fais la chanson, tu vois. Et je me disais que cette année, j'ai décidé de laisser le congrès parce que moi, je trouve le congrès et le héros. On m'a dit que ça détruit la voix. Ça se voit pas. On voit le corps là. Je sais pas où le congrès est là-dedans. Hein. Ça entre. Cette année, j'ai dit que je veux laisser le congrès. Je veux laisser le héros. Moi aussi, je veux chanter. Mais même avec le congrès, tu peux chanter. On m'a dit que le congrès avait beaucoup de vie, ça gâte la voix. Oui, mais tu ne vas pas manger ça tout le temps. C'est pas, tu ne manges pas ça matin, midi et soir. Tu manges en passant. Tu manges en passant. Hein? Et Dieu va purifier ta voix. Ah oui. Ah, tu sais, toutes les voix sont belles. Uh-huh. Il suffit de savoir comment les utiliser. Mm-hmm. Tu vois, non? C'est ça. Ok. It's already a very beautiful ride we are having here. But I have my last joker for Grazdeka before she goes. Vous êtes producteur aussi? Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à produire les gens comme nous, là? Nous, moi je me parle pour moi, mais maintenant, moi, si je viens bien que tu me produis, enfin, me produis, en fait. Si tu viens que je te produise, j'écoute ce que tu apportes comme produit. S'il n'est pas adapté, mm-hmm. si je trouve qu'il ne va pas, je ne vais pas le produire. Je vais te dire ce que je pense. Et si tu es d'accord pour changer, mm-hmm. pour améliorer, pour apporter... une différence, alors pourquoi pas si je peux. Si j'ai les moyens, je vais le faire. Ça fait partie de mes œuvres caritatives. Pour moi, c'est ce que je fais pour Dieu. C'est ce que je fais pour Dieu. Mm-hmm. On va prendre le morceau for the people. These are my people. These are my people. Et on va rentrer pour clôturer. Amen. Let's take this beautiful song. The master plan ran out on his slaves with more grief every day. Steel men will hurt the heart. Stop rebelling before it starts. Pharaoh was a mighty man, but he forgot about God's plan. And Moses was his name. Ebony or Christ was his game. When we down to Egypt land, God old Pharaoh goes a march. Pharaoh had a heart, didn't listen Moses from the start. Moses didn't back away. Told Pharaoh, the Lord said, these are my people. What are you? You will lose your head. Hey. Release my people. Release. And let them leave this land. These are my people. My people. Don't you understand? I will rock your world. Oh. Now Pharaoh said, no, no. Let your people go. Said, who is this guy to tell King Pharaoh what to do? Running lamb of sorrow, kill firstborn so they won't grow. Now Pharaoh was a madman, but he forgot about God's plan. Moses was his name. Boldly God's word proclaimed with the wonders and miracles from his staff and by his name. Back away, talking there on the Lord said, these are my people. You will lose your head. Release my people. What? And let them leave this land. Let them leave the land. These are my people. My people. Don't you understand? I will rock your world. Let's go.
And this is it. Very beautiful. Moi, ça m'étonne que depuis, je ne vois pas, je n'écoute pas ces chansons, peut-être dans les radios. J'ai juste fait la découverte sur YouTube. Hein, mm-hmm. Et je lui demandais, mais c'est quelle chanson ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avoir cette chanson partout? Parce que c'est ce genre de chanson qu'on doit avoir partout. Parce que exactement. Le décor est bel, le son est bel, les images sont belles. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que c'est la chanson de Dieu. Oh. C'est pour... bah, t'as vu, hein? Tu as vu, j'ai jamais dépensé autant d'argent pour faire un album que pour faire celui-là. Tout ce que tu as vu là, on a filmé en direct. Ce n'est pas des images. Quelqu'un m'a demandé un jour que, est-ce que c'est les images du film de Moïse? Non. Toutes les images, tous les acteurs, on a payé tout le monde. Parti d'ici pour aller faire ça aux États-Unis. Travailler comme ça, comme une malade. Et quand tu arrives, ce n'est pas ça. Si maintenant tu dis, tu sais que tout ce qui est... En dessous de la ceinture, c'est ça qui attire l'humanité. Et il faut que tu aies de l'espace, que les télévisions, les médias en général, toutes sortes de médias, qu'on ait la capacité, la possibilité de redondance pour que l'habitude de l'écoute suscite l'envie aux autres qui sont de gospel music et d'autres et des chanteurs et d'autres qui ne sont même pas dans le gospel mais qui finissent par découvrir le bonheur qu'il y a quand on crée pour Dieu. C'est quelque chose, je n'ai même pas eu de Grammy par rapport à ça, même pas un seul prix de clip le meilleur, le un clip qui est très bien fait, rien, le test, rien, parce que c'est pas ça. Tu te demandes que mais c'est vous, comment vous faites pour faire vos concours, comment vous faites pour faire vos Grammy, sur quelle base vous allez, ça méritait un prix. Parce que c'est un travail immense, c'est une énergie, c'est une détermination, c'est regarde comment c'est beau. C'est très beau. It's really beautiful. On souhaite qu'un jour, on va en arriver là. Hein. Souhaite vraiment qu'on arrive là un moment pour que les gens sachent que croire en Dieu est quelque chose de très important. Cette rencontre, et quand des artistes de gospel, qu'ils soient de gospel ou qu'ils ne soient pas de gospel, dès qu'on chante pour l'affaire de Dieu, il faut que même sans demander la publicité, que les pubs soient faites. Mon fils Miller, tu m'entends Coco, tu m'entends Coco, tu m'entends. C'est très important que l'affaire de Dieu, qu'on mette et remette. Tu vois, l'album Mouna, on a connu. Sans, j'ai passé le temps à dire, je ne dis pas Mouna, je dis Mouna. Les gens confondaient Mouna qui est et le Mouna. Malgré les efforts qu'on faisait pour expliquer, les gens sont restés dans Mouna. Pourquoi? Parce que la fête de Dieu le dimanche là, tu vas voir combien de personnes à l'église. S'il y a 20 personnes à l'église, il y a 17 femmes, 3 hommes. C'est demain l'autre jour. Bon, je crois que les hommes d'affaires ont compris que Dieu est important. Nous venons tous sur cette terre, nous allons tous mourir. Personne ne va rester. Et que quand on part au moins, faisons comme Pascal qui dit, je préfère croire qu'il existe. Au moins si je le rencontre, je vais dire que je croyais en toi. Croyons en Dieu. C'est important, c'est immense. Et des œuvres caritatives, c'est bon. C'est pour aider l'humanité. C'est une dimension spirituelle. C'est très important d'aller dans ce sens. Et c'est très important de soutenir les artistes en général, surtout ceux qui parlent de Dieu. Ah oui. Et également les autres. Il ne faut pas faire de distinguo avec les enfants de Dieu. C'est important. Alors, l'album et challenge là, on peut l'avoir comment? Alors, challenge, on va à Carrefour. Ok. Challenge qui est le combat de l'enfant de Dieu, le combat de l'enfant du Seigneur. Je vous ai dit, il y a 33 versets qui parlent d'hypocrisie, d'arrêter l'hypocrisie. Et l'enfant de Dieu dit là, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Mon challenge à moi, c'est de t'aimer. Moi, j'aime les challenges.
tout le monde peut apprécier, danser. Un pasteur, des pasteurs m'ont dit, je ne sais pas trop si j'ai envie de danser ça, mais je me dis que si j'envoie ma vidéo, on va mal interpréter. Je lui dis que non, mais relis la parole de Dieu. Relis la parole, comme ça tu seras à l'aise. You'll be on your knees. Why are you talking about? What are you talking about? Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas? Parce que non, c'est que toi-même tu n'as pas compris le message de ces chansons. Le deuxième titre de cet album, c'est Ndolam Ballet, 1 Corinthiens 13. Oh, c'est notre message du jour. Oui, 1 Corinthiens 13. Moi, je croyais que c'était pour ça que tu l'as écrit. 1 Corinthiens 13. Tu vois, Ndolam Ballet, il dit Walisane. Ndolambale, yende welisane. C'est-à-dire, ça te montre comment on se comporte quand on est en amour. La manifestation de l'amour, le comportement de l'amour, le comportement des gens qui s'aiment. Parce que l'amour est toujours blessé. Parfois en profondeur, parfois légèrement et parfois en profondeur. Mais quand tu lis ta parole, et que tu retrouves la paix dans ton cœur, tu dis c'est le pardon que je dois exercer. Quand tu regardes dans ton cœur et que tu ressentes ces blessures, les larmes qui coulent, tu dis j'ai deux choix à faire. Si je continue vers l'autre route-là, je vais atteindre les amis de la haine, de la querelle, des mauvais conseillers, disputes et peut-être même chercher, tu peux donner, on peut donner la mort parce que des jalousies, des mauvais sentiments. Mais quand tu regardes de l'autre côté, tu vois comment l'amour t'appelle. Alors que ton cœur est blessé, alors l'amour t'appelle. Tu dis l'amour est patient. L'amour est bon. L'amour est fidèle. La fidélité de l'amour signifie que tu aimes quel que soit ce qui arrive, tu es appelé pour aimer. Tu n'es pas appelé pour rester dans ce qui est négatif. Tu es appelé pour aller de l'avant et apprécier le bonheur et apprécier l'ambiance formidable que Dieu met autour de toi. Parce que quand on aime, on est bien. Quand on aime, on a la paix. Quand on aime, on a le bonheur. Même quand on mange le macabo avec du sel, on est content. C'est vrai. Parce qu'il y a de l'amour. On peut manger du caviar, on ne saura pas l'apprécier parce qu'on n'est pas en amour. L'amour est un sentiment digne, rempli de valeur, rempli d'émotion. Dans l'affection de l'amour, on trouve les graines que Dieu a plantées pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui le connaissent peu, pour ceux qui nient son existence. Il a quand même planté cette graine d'amour. C'est vrai. Alors, un dernier mot pour vous, audience. Vous entendez clôturer. Moi, je vous aime. Et danser ce challenge. Notre challenge à nous, c'est de nous aimer. Notre challenge à nous, c'est d'aimer notre prochain. Notre challenge à nous, c'est d'aimer notre pays. Parce qu'avant d'aimer ton pays, n'est-ce pas, aime d'abord ceux qui sont autour de toi. Tu seras, plus tu vas chercher à aimer, plus tu seras combattu. Plus tu vas montrer de l'amour et du caractère. Mais continue dans l'amour et le Seigneur fera le reste. Parce que tu es un enfant de Dieu. De Dieu. On prend le challenge. Malamuna yeye autant de challenge Damia Tembaye. C'est ça. I don't understand the wala, but that's a very good one. And the challenge is on. We have come to the end of this edition. On va danser. Hein? On va danser pour les people. Ok. Ah oui, j'aime quand finalement on danse. Parce que Dieu aime danser, n'est-ce pas? Ouais. So you're going to join us. So we're going to dance together. We're dancing to beautiful things that await us this new year. Don't forget to rush. Challenge is already available. Get it and listen to it with your family. It's going to bless your soul. Sorry, je voulais dire qu'on trouve ça à Carrefour, Carrefour Market. Carrefour Market. On les trouve également à Santa Lucia. Ok. On les trouve chez.
chez Flash Music. On le trouve chez Laetitia. Laetitia, donne le numéro de téléphone qui apparaît pour qu'on sache, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer, juste un coup de fil. C'est ce numéro qui apparaît là. Il faut juste le lire. C'est Laetitia. Merci beaucoup. So we're going to dance now. Moi, j'ai hâte de vous voir danser. Ah oui, et on va danser ensemble. Challenge, mon beau, Nana Kandum.
ne bemo malo ziba bo da bemo ayo ele mondolo